Ben, on a délibéré ce matin sur une partie du village olympique, une grosse partie du village olympique, celle qui est sur Saint-Ouen. Nous aurons à débattre et à choisir l'autre partie sur l'île Saint-Denis. Et puis nous allons travailler bien sûr avec Vinci, qui est propriétaire de la dernière partie sur Saint-Denis. C'est important pour Pleine Commune, c'est important pour le territoire, c'est important pour ce département de Seine-Saint-Denis. On a on peut faire la démonstration qu'on peut créer un vrai quartier de ville en héritage des Jeux Olympiques, ce qui serait la première fois, puisque dans la totalité des autres cas, les Jeux Olympiques se sont reconvertis simplement en logement. Là, nous avons exigé dès le départ qu'il y ait du logement, et du logement sous toutes ses formes, du logement en libre, du logement en accession à la propriété, du logement social, du logement en accession sociale, et puis des surfaces pour accueillir des entreprises, des ateliers, des artistes, des Fab Labs, des coworking, d'imaginer ce que sera aussi le travail dans 5 ou 6 ans, des équipements publics dont on a besoin, écoles, crèches. Donc c'est un vrai quartier de ville qui va se construire et ça nous permet de le faire plus vite que si on l'avait fait tout seul en dehors des Jeux Olympiques.